fort en difficulté, mais 1466 quand même pour Tabeaalt. Là, et là on voit une entrée avec une petite originalité. C'est pas très courant de rentrer comme ça par l'arrière en faisant comme un petit chouchou Noba. Même si ça ne rapporte pas de points, mais des fois c'est bien d'avoir des difficultés différentes. Là, le saut, changement de jambe, Yangbo avec donc la perte de visuel de la poudre qui est extrêmement difficile. Philippe salto arrière, corps tendu, décalé. Salto avant facial, enchaîné du salto japonais donc sur le côté. Aujourd'hui à la poutre, le plus important c'est vraiment d'enchaîner les difficultés. Et ici le double tour pivot, hein, je le disais, vraiment tout ce qui est chorégraphique aujourd'hui, les grosses difficultés chorégraphiques deviennent des difficultés. Oh, c'est joli ça. Salto japonais mais avec un autre demi-tour, donc vraiment une grosse originalité. Et bien exécuté. Salto un pivot costable. Et voilà le salto costal. Oui, c'est vrai qu'on le constate visuellement. Hein. L'impression visuelle, c'est un empilement d'éléments difficiles. Ah oui, hein. plus on empile, plus la note de départ va être haute. Oh, et une sortie en revanche extrêmement simplifiée. Là par contre, elle devrait perdre un petit peu de points. Sortie à la Corpina, non?